Bonjour tout le monde. Donc là, on va faire un petit test sur les pronoms personnels arabes et exactement sur Damaer al-Mutakallim. Donc je vais vous lire ces trois phrases qu'on a et s'il vous plaît, essayez de détecter Damir al-Mutakallim dans ces trois phrases. Si vous avez trouvé la bonne réponse, commentez, c'est-à-dire faire un commentaire, j'ai trouvé la bonne réponse, comme ça, je peux voir si on a bien quand même expliqué Damaer المتكلم. دونك أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. Je vais pas vous traduire ça, mais quand même c'est assez intéressant de le traduire, cette première phrase. Donc, ça, c'est un poète qui dit que, même si la traduction, je vais traduire, c'est pas une bonne traduction, digne à ce poète-là, à cette poésie, moi qui grâce à ma littérature, le non-voyant a pu voir ma littérature, et moi qui a fait entendre ceux qui n'entendent pas. C'est-à-dire, il a fait entendre sa littérature à celui qui n'entend pas. Donc ça, entre parenthèses. Donc, je vais juste passer le message un petit peu, le sens de ça. Donc essayez de détecter, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de détecter le prénom, le Damir al-Mutakallim. نحن نقرأ ونتعلم أنتم دخلتم وأنا خرجت. Alors, je vous laisse un petit peu contempler ces trois phrases. J'espère que vous avez trouvé le. Bon, on va dire ici on a 1, 2, 3. Donc on a 3. Ici, Damir al-Mutakallim. Alors, pour la première phrase, on a Anna. Pour la deuxième phrase, on a Nahnu. Et pour la troisième phrase, on a Anna. J'espère que vous avez bien détecté ces trois prénoms personnels de Damaer al-Mutakallim. Merci pour votre très très grande attention. Après, on va passer à Damaer al-Mukhatab et on va expliquer ce que cela veut dire.